Salut tout le monde, bienvenue sur WW2K15, ici votre commentateur Kevrecker dans le chapitre Hustle, Loyalty, Disrespect du mode 2K Showcase. Nous avons ce match à faire, CM Punk contre John Cena, champion contre champion, qui est le véritable champion de la WWE. Eh bien, c'est ce que ce match à SummerSlam le 14 août 2011 devait déterminer. Nous sommes presque partis, nous avons juste... Le petit résumé, CM Punk revient à la WWE pour être la voix des sans-voix, The Voice of the Voiceless, et devenir le vrai champion de la fédération. Donc on a eu cette image hein, dans l'épisode précédent avec CM Punk et John Cena avec les deux ceintures de champion. Pour la première fois de l'histoire, la WWE compte deux champions. Triple H organise un match à SummerSlam pour les départager. Et pour s'assurer qu'il n'y aura bien sûr qu'un seul gagnant, il s'improvise arbitre spécial. SummerSlam 2011, nous sommes prêts et nous allons accueillir pour commencer l'arbitre spécial, the COO, the Chief Operating Officer, le chef des opérations de la WWE, Triple H. Est-ce qu'on débloque la tenue d'arbitre avec les objectifs optionnels? Les objectifs, bien sûr, j'ai dit objectifs un petit peu. Donc il n'est pas annoncé avec... Ah si, pardon. Donc, contrairement à ce que j'ai pensé, Justin Roberts a bien présenté Triple H. En même temps, ça m'étonnait quand même. Ça m'aurait étonné que Triple H ne soit pas présenté par Justin Roberts, parce qu'en même temps, monsieur fait son entrée. L'arbitre spécial. Oh purée, le regard. Le regard de Triple H. Il vient seulement pour arbitrer, mais on a l'impression qu'il vient pour combattre. Hein. En même temps, quand tu t'appelles, enfin, quand on te surnomme The King of Kings, tu fais ton entrée comme tu veux. Hein. Même si t'es arbitre. Ok? Agenouillez-vous devant le roi, s'il vous plaît. Non, 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 il n'y a pas de s'il vous plaît. Agenouillez-vous. Ceci dit, je parlais de la présentation de Justin Roberts, mais ma présentation était très bien aussi. Hein. Je dirais même qu'elle était mieux. Et voici le champion WWE. C'est une phrase qu'on pourra dire deux fois pour ce match. That he is going to call this matchup down the middle here tonight. I just can't imagine saying the types of things that Punk said to the guy that's about to referee your title match. Ah, c'est vrai qu'il a joué avec le feu CM Punk, il a continué à taper sur les McMahon devant Triple H. Donc je disais donc, voici le champion WWE CM Punk, celui qui se proclame meilleur au monde, best in the world. Et qui en 2015, normalement, bah j'ai vu des infos là-dessus, va combattre pour l'UFC. Donc si on espère un retour de Punk à la WWE, ce ne sera certainement pas pour tout de suite. En tout cas, c'est sûr que là, c'est... Enfin, on s'en doutait, hein, vu les relations qu'il y avait avec la WWE à son départ en 2014. On peut se douter hein, qu'on ne le reverra pas de si tôt. Et on peut même douter de le revoir un jour à la WWE. Et voici donc le champion WWE. Et oui, on peut le dire deux fois. John Cena. D'accord. The question is, which one of these champions will be defending the WWE title the next time we come to you on pay-per-view in 5 weeks for Night of Champions? Well, whether you like John Cena or not, everybody respects him. C'est une entrée différente là pour Cena. Là, John Cena marche droit vers le ring, il ne court pas.
Ah, c'est peut-être une entrée spéciale pour quand il est champion. C'est possible. Deux champions, deux ceintures. Et ce match à SummerSlam est fait pour savoir lequel des deux est le vrai champion de la WWE. On a le même schéma que pour le titre intercontinental, c'était à WrestleMania 10, si je ne me trompe pas, ou ouais, 10 ou 11, je ne sais plus. 10, il me semble, hein, le premier match d'échelle à WrestleMania. Entre Shawn Michaels et Razor Ramon, il y avait deux champions intercontinentaux. Michaels avait été dépossédé de la ceinture parce que je crois qu'il était absent, il était blessé et on lui avait retiré le titre. Introducing the participants first, from Chicago, Illinois, weighing 222 pounds, WWE Champion, CM Punk! And his opponent, from West Newbury, Massachusetts, weighing 240 pounds, is WWE Champion, John Cena! La vache, il s'est fait plaisir, hein? Oh, King, what an emotional night tonight. For the first time ever, we have two WWE Champions battling it out to crown one champion here at SummerSlam. The atmosphere here is electric. Did you hear that ovation for CM Punk? Unbelievable! This match is so important. That Triple H, the game, the special guest referee to make sure that this thing is called down the middle and that we crown one champion at the end of this match tonight. You're right about that. Triple H is guaranteed there will be a single WWE champion. And Triple H taking all the precautions necessary to make sure both athletes are ready to go. Cena, Punk, make history tonight at SummerSlam. Here we go! Oh, ils ont vraiment fait les choses bien pour ce mode. Donc Michael Cole nous dit qu'il a été que CM Punk a été acclamé évidemment à son retour. Et oui, en quelque sorte grâce à lui ou à cause de lui, enfin c'est en anglais, c'est vrai que c'est pas pareil. Because of him, oui, c'est... Disons qu'il est la cause de ce qui se passe, le fait d'avoir donc deux champions de WWE en même temps. Donc effectivement, deux champions en même temps. Même configuration, je le rappelle, que pour le titre intercontinental entre Shawn Michaels et Razor Ramon. Deux ceintures pour un même titre. Deux champions pour un seul trône. Un seul titre. Et ce match à SummerSlam entre CM Punk et John Cena est là pour déterminer le vrai champion WWE. Et les commentateurs évoquent Rey Mysterio qui a perdu le titre très peu de temps après l'avoir gagné. Il a gagné le titre lors de la finale du tournoi. Et le même soir, il affronte John Cena et perd le titre, donc son règne a été très court, évidemment. Allez, les coups de pied dans l'abdomen et Cena écrase la face de CM Punk au sol. Allez, on le repousse. Voilà, on l'attrape, on l'empêche de faire un geste. La souplesse sur John Cena pour peut-être infliger des blessures moyennes. On n'y est pas encore, on y est presque. Allez, Cena va certainement courir peut-être. Eh non, pas du tout. C'est bien, on a contré. Il repousse. Parfait, c'est bien de contrer comme ça. Cena contre aussi, corde à linge. Et il faut être au taquet hein, pour ce match. La souplesse.
Oh, on n'y est pas encore, hein. Pour les blessures, on n'y est pas encore. Et pourtant, on y travaille. John Cena was growing up in West Newbury, Massachusetts. He dreamed of one day becoming a WWE champion, much like his childhood idol, Hulk Hogan. You know, ironically, King, Hulk was a huge fan of Rowdy Roddy Piper, who Hogan squared off against in a tag team match in the first ever WrestleMania. Eh oui, le tout premier WrestleMania a vu Hulk Hogan faire équipe avec Rowdy Roddy Piper. Attention, monsieur Triple H. Donc oui, ça on le sait, hein, que John Cena a toujours rêvé d'être champion de WWE. Un plongeon suicide. Alors, est-ce que c'est un moment oh my god? Je pense que c'est un moment oh my god. Hein. Un moment OMG, parce qu'on peut également exécuter de façon normale, si je puis dire. Alors, Cena qui a encore exécuté son enchaînement. Alors, est-ce qu'il compte utiliser son coup spécial? Alors, qu'est-ce qu'il fait là, Cena? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh, ça a touché. Oh, Cena. Oh, Cena. Non, Cena, tu vas pas voler le GTS. Non, 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 mon petit Cena. Hein? Comment ça, Anakin Device? Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont fatigués, les deux, hein. Ils sont fatigués. Eh ben, attendez. Justement. On va voir ça. Est-ce que ce plongeon suicide, suicide dive, c'est un moment oh my god? Absolument. Oui, Cena a battu JBL, mais on s'en fiche, regardez ça. Ah oui, absolument. Il a pris les choses en main, il a dit non, non, il y aura un champion, il l'avait promis. Donc battre John Cena par tomber. Voilà, on repousse Cena. Le match continue. Ça, c'est un arbitre. Il a dit, attends, il va y avoir un match nul et personne ne va être content. Et on, d'ailleurs, on entendait, hein. Attendez. Aucun problème. On entendait d'ailleurs, pendant les cinématiques, justement, des fans qui disaient « Don't count them out !» Les compte pas à l'extérieur. Les compte pas à l'extérieur. Et Triple H ne l'a pas fait. Triple H est très, très attentif. Il est toujours très prêt pour voir si les épaules se lèvent ou pas. Allez. La descente du coude. Boum. On va achever John Cena. C'est parfait, il ne contre pas. Et boum. Et il saigne en plus. Allez. On l'éloigne des cordes. Je pensais que ça allait être fini, hein, mais non, pas du tout. Ah, donc il faut continuer, il faut aller plus loin. Écoutez, moi je suis content, hein, si le match est encore plus énorme qu'il ne l'est déjà, c'est bien. Hein, c'est bien, moi je suis content. Enfin, du moment que je le perds pas, bêtement surtout. Oh, belly to belly. Oh là là, j'ai failli faire une grosse bêtise. Il suffit que je dise que je n'ai pas envie de perdre le match bêtement pour que ça manque de se passer, quoi. Une petite erreur d'attention et puis c'est la catastrophe.
Non mais attends, qu'est-ce que t'as cru, Yacina? Qu'est-ce que t'as cru? Tu as cru que tu pouvais porter une corde à linge comme ça, là, sans problème? Mais attends, tu rêves, Yacina, tu rêves. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Soumission. Tentative de soumission. Oh, Cena, double way. Oh, oh, ce dégagement. Oh, ce dégagement de pro sans la révolte. Même pas besoin de la révolte. Je m'appelle CM Punk. Je suis the best in the world. Ah ben je suis content. C'est bien avec, avec Punk que j'arrive à faire des dégagements de dingue. Oh, j'adore cet enchaînement. Avec, oh, cette corde à linge. C'est beau, c'est très beau. Allez, on peut le faire. On va le faire. Allez, descente de la jambe de CM Punk. Voilà. Le coup spécial dans le coin va venir. Admirez l'artiste. Boum. Le coup de genou et le running bulldog. On ne perd pas de temps. On relève Cena et on lui porte un deuxième GTS au centre du ring. Sous les yeux de Triple H. Le deuxième GTS. Et c'est bon. Enfin, j'espère. Joueur 1 et maintenant Alberto Del Rio. D'accord. Je suis Alberto Del Rio. Allez, Punk est à ma merci. Il est à ma merci. Si, si, si. Oh, and Ziggory. Et le tombé sur CM Punk. Ouais. Je ne me souvenais plus de ça dans... Enfin, je... Ouais, le coup de, du pied de Cena sur la corde. Le... L'arrivée de Del Rio. Enfin, l'arrivée de Kevin Nash aussi. Je ne me souvenais plus de ça. Bah, c'est bien. Ça, ça me permet de me remémorer certains, bah, certains de ces moments. C'est vrai que j'avais oublié pas mal de détails. Hein, je m'en aperçois maintenant. Donc, Del Rio est le champion WWE. Et c'est, la ceinture est chaude. Hein. La ceinture est chaude. Avant Money in the Bank, c'est John Cena qui est champion. Après, c'est CM Punk. Après, c'est Rey Mysterio. Après, c'est John Cena. Après, c'est de nouveau CM Punk. En même temps avec John Cena. Après, c'est que CM Punk. Et puis, quelques secondes plus tard, c'est Del Rio.
Décidément, hey, c'est cool, c'est trop cool. Bon, on a donc débloqué la tenue probablement d'Alberto Del Rio et la reine de SummerSlam 2011. Et justement, juste après, quelques semaines plus tard, deux jours plus tard, donc il y a eu le Raw du lendemain soir, puis la semaine d'après, nous avons eu ce Raw du 22 août 2011, où John Cena et CM Punk se sont battus pour savoir qui allait être le prochain aspirant numéro 1 au titre WWE d'Alberto Del Rio, et ce sera le match de notre épisode 4 de ce chapitre, Hustle, Loyalty, Disrespect. Salut tout le monde, à la prochaine.